Seigneur Torquemada, horloger de Tolède. Torquemada, c'est moi, monsieur. Ma montre à chaque instant s'arrête. Voilà qui va des mieux, voilà qui va des mieux. Oh, je suis à votre service, muletier du gouvernement. Connaître l'heure exactement, en conséquence, est mon office. Car chaque jour, à heure fixe, mes mulets doivent sur leur dos emporter les colis postaux. Voyons la montre. Elle est de style. Oui, c'est un bijou de famille. Mon oncle, le Toréador, par elle fut sauvé des cordes de la mort. Aux arènes de Barcelone, alors que le tor fonçait. Cette montre en son gousset le préserva du coup de corne. Mais si le monstre par la montre fut arrêté, c'est à présent la montre qui s'arrête. Nous allons donc la démonter. Docteur ! On m'appelle ma femme. Totor est de Torquemada, le diminutif. De charme. Et quoi, vous n'êtes point parti? L'étourderie est sans égale. Vous souvient-il plus qu'aujourd'hui? Il faut aller régler comme chaque jeudi les horloges municipales. Mais quelle heure est-il donc? Comment? Que voulez-vous? Les horloges, monsieur, on n'entend plus leur coup. Ce serait à devenir fou. Je vous en réclame une pour ma chambre à coucher. Gardez ici ces deux horloges catalanes. Si vous croyez que c'est léger, une horloge est facile à prendre. De force musculaire, oui, vous avez sujet de vous montrer avare, ou du moins ménager. Vous n'en avez pas à mais plus longtemps, ne faites pas attendre les balanciers municipaux. J'ai mes outils, j'ai mon chapeau. Pardon, monsieur, pardon, ma montre. Je cours, mon cher monsieur, je cours. Demeurez jusqu'à mon retour. Voilà qui ne fait pas mon compte. Excusez-moi, je reviens de ce pas. L'heure officielle. Attends.
reste, voilà bien ma chance. Le jour de la semaine où mon épouse est loin, mon unique jour de vacances me sera-t-il gâté par ce fâcheux témoin? Il faut pourtant qu'avec la signora je cours, mais de quoi diable lui parler? J'aurais mieux fait de m'en aller, car je n'ai jamais su dire aux femmes les choses. Cette horloge, monsieur, la jugez-vous d'un point tel pour la déplacer qu'il faille l'effort de deux hommes ou trois? Ça, madame, c'est une taille, c'est une coquille de noix, on lève ça avec un doigt, c'est de la très petite ouvrage. Votre chambre... Au premier étage, mais... Je vais l'y porter. Quoi? Vous consentiriez? C'est dit, signora, je m'en charge. Je n'osais pas vous en prier. Il fallait oser, au contraire. Tout le tier a dans son cœur un déménageur amateur. Et voilà qui me va distraire en attendant votre mari. Je suis confuse. Cela m'amuse. Tout s'arrange fort bien ainsi. L'escalier est au fond du couloir que voici. Vraiment, monsieur, j'abuse. C'est moi, signora, qui m'excuse. Je fais si piètre mine, hélas, dans un salon. Les muletiers n'ont pas de conversation. Il était temps, voici Gonzalve. Réaliser le beau rêve, le rêve auquel nous soupirons. Et les maisons
garde, autant nous est mesuré sans pitié. Le carillon des amours sérénade. Et puis, voici le muletier. C'est fait, l'horloge est à sa place. Déjà, ah, monsieur, que de grâce. Il n'y a pas à dire, il faut qu'à nouveau je m'en débarrasse. Vous allez me trouver bien folle, cher monsieur. Comment vous faire cet aveu? Donc, à peine étiez-vous parti avec l'horloge vers ma chambre, j'ai réfléchi que celle-ci serait mieux que vous ensemble. Signora, c'est votre plaisir. Je suis tout à votre service. Tant d'indulgence à mon caprice. Oh, monsieur, Rome sans rougir. Voilà, c'est celle-ci à l'instant que j'emporte. Quand vous aurez rapporté l'autre, quelle courtoisie est la vôtre? Vous êtes un vrai paladin. C'est ainsi que ton cœur éternel. Caprice de femme, chanson. Moi, ça m'est égal, ça m'occupe. Les muletiers n'ont pas de conversation. Maintenant, pas de temps à perdre. Là-dedans, vite, il faut entrer. Dans cette boîte de cyprès, de sapin, de chêne ou de cèdre. Oui, c'est fou, je te le concède, mais cède. Songe donc ici de nous voir en tête à tête, nul espoir. Car le muletier à l'œil noir se dresse entre nous et je tremble. Au contraire, sans le savoir, l'horloge et toi, tous deux ensemble, vous emporte dans ma chambre. Il me plaît de franchir ton seuil entre ces planches clos comme dans un cercueil. J'y goûterai des sensations neuves. Cette horloge m'enferme le sort. Oh, mon amante, n'est-ce pas une épreuve de l'amour plus fort que la mort? Oui, mon ami, il exagère. Salut à la belle horlogère. Don Inigo Gomez, qui peut-il s'il lui plaît? Sournoise qui le demanda, et le seigneur Torquemada, ne serait-il pas chez l'arcade? Vous voulez le voir? Dieu m'en garde! Aurais-je, s'il n'était parti, pris le chemin de sa boutique? Moi qui, précisément, usait de mon crédit pour faire confier à cette remarie le soin des horloges publiques. Car il est raisonnable, il est juste, il est bon que l'époux ait dehors une occupation régulière et périodique. Don Inigo Gomez, c'est un seigneur puissant. Que ma puissance paraît vaine, si quand son mari est absent, certaines belles ne consentent à se montrer un peu moins inhumaines. Où cela pouvait-on? Excusez-moi, seigneur! Parlez plus bas. Les horloges ont des oreilles. Thank you.
J'attends de votre arrêt l'excès de mon malheur. Ou félicité sans pareil. Seigneur, j'ai les déménageurs. Voilà. Et maintenant à l'autre. Celle-ci est peut-être un peu, je vous préviens, un peu plus lourde. C'est seulement que l'on dirait que ça ballotte. Mais ça n'en est pas plus ardu. C'est moins le poids, ces objets-là, que le volume. Car pour le poids, c'est un fétu. C'est une plume. On porte ça, les bras tendus, incroyable jusque à la gorge. Cet homme a des muscles de fer, mais s'il se coince et gonzalve, il finira par lui donner le mal de mer. Je vous accompagne. Inutile, quoi? Faut-il que vous me quittiez? Le mécanisme est très fragile, et notamment le balancier. J'en demande pardon à votre seigneurie. Évidemment, elle me congédie. Et s'il me fallait écouter les conseils de ma dignité, j'abandonnerai la partie. Cependant, je n'ai qu'une envie, et cette envie est de rester. Dans ces conjonctures extrêmes, un amant, pensais-je, avec art, s'introduirait dans un placard. Tant pis, ma foi, si je déroge, je conçois à l'instant le fantasque projet de me cacher dans cette horloge. Ces horloges sont les placards des horlogers. Ma mine imposante et sévère à la pauvrette faisait peur. Montrons un autre caractère conforme à sa galanterie. Et que nous sommes, au contraire, dans le fond, un petit farceur. Elle revient. Coucou. C'est le déménageur. Voilà ce que j'appelle une femme charmante. Maintenant, elle me demande de venir garder la boutique. Voilà qui est bien comprise et pratique. Et c'est ainsi qu'une maîtresse de maison, à chaque visiteur, doit assigner un rôle en rapport avec ses façons. Moi, ma façon, c'est mes épaules. Quand je vois ici rassembler toutes ces machines subtiles, je ressens venu à plaisir embrouillé. Je songe au mécanisme qu'est la femme, mécanisme autrement compliqué. Si reconnaître est difficile,
Dieu ne plaise aussi que je m'arrache le soin minutieux d'en toucher les ressorts. Tout le talent que m'a donné le sort se borne à porter des horloges. Monsieur, oh monsieur, dans ma gorge les mots s'arrêtent de dépit. Traitez-moi de folle, tant pis. Mais comment voulez-vous qu'en ma chambre je garde une horloge qui va, monsieur, tout de travers? Quel martyr affreux pour mes nerfs! La rapporter, ça nous regarde. À tout à l'heure. Enfin, il part. Dieu, que ces muletiers sont de fâcheux bavards. Coucou. Amusons cette belle. Coucou. Tiens, l'horloge. Coucou. L'allusion est de haut goût par Saint-Jacques de Compostelle. Et le moment est bien choisi pour parler de coucou ici. Coucou. Don Inigo. Coucou. Coucou. Oui, da. Vous avez devant vous Don Inigo Gomez, roi de la haute banque. Et même y serais-je à genoux si ce n'était que la place me manque. Si c'est ce jeu, Don Inigo, vous êtes fou. Oui, fou de toi, oh ma jolie. Faut à faire mille folies. Ceci n'est qu'un commencement, un tout petit exercice d'entraînement. Mais je n'en veux point d'aventure. Tenez-vous-en là simplement. Et sortez, je vous y engage, de ce bizarre logement. Et quoi, lorsque j'ai tant de peine à entrer, faut-il déjà sortir? Où il y eut beaucoup de gêne, on mérite un peu de plaisir. Mentais-je à votre fantaisie de jeunesse, de poésie? Trop de jeunesse aussi à son mauvais côté. Un jeune homme est souvent inexpérimenté. En vérité, rien l'arrête et l'embarrasse. Il est poète, affirmé à poursuivre un rêve éthéré. Oublie que la réalité sous leur nez passe. Si vous saviez combien vous dites vrai. Un amant comme moi offre plus de surface. Voilà l'objet. Que faut-il que j'en fasse? Ah, l'horloge, c'est bon. Merci. Mettez ça là. Et maintenant, c'est celle-là que dans votre chambre l'on place. Dans ma chambre? Dans votre chambre. Vous n'avez qu'un mot à dire et je l'enlève. C'est un guet-apens. C'est un rêve, Seigneur. Oh, ivresse. Enlevez. Mais n'est-ce pas plus lourd? Goutte d'eau, grain de sable. À coup sûr, cet homme est doué. Vous allez, j'espère, filer et sans demander votre reste.
mi récite Sylvestre, où l'amour complaisant égare à leur baiser. Comme font deux amants sous l'écorce des trembles. Demeurez donc si bon vous semble, mais n'attendez pas, s'il vous plaît, que j'écoute encore les couplets de la romance qui recommence. Vous avez de l'esprit, mais manquez de propos. J'en ai assez de vos pipeaux. Muletier s'en revient. Ces gens-là goûtent peu les symboles païens. Voilà ce que j'appelle une femme charmante. N'avoir si gentiment ce labeur ménager, tantôt ménager, tantôt déménager. Voilà ce que j'appelle une femme charmante. Et puis cette boutique est un plaisant séjour. Entre chaque montée, après chaque descente, nul importun par ses discours n'y vient troubler ma quiétude nonchalante. Rien à dire, rien à penser, on a qu'à se laisser bercer au tic-tac régulier de tous ces balanciers. Et les timbres de ces pendules, joyeusement tintinabules, tout ainsi que par les sentiers muletiers sonnent les grelots de mes mules. Si je devais mon sang changer, n'étais-je muletier, je serais horloger dans cette horlogerie, avec cette horlogère. Monsieur! L'horloge encore ne fait pas votre affaire. Pour bien laisser, je la vais rechercher. Deux amants, l'un manque de tempérament et l'autre à ce point de nature. Oh,
autre plus grotesque encore. De l'horloge n'a pu sortir rien qu'un mi-corps, avec son ventre pétri de breloques. Maintenant, le jour va finir et mon époux va revenir. Deux pas de l'Estramadure, au pays du Guadalquivir. Le temps me dure, dure, dure. Oh, pour ma colère passée, avoir quelque chose à casser, à mettre en bouillie en sang. Voilà. Et maintenant, señora, je suis prêt à remonter dans votre chambre l'autre horloge, si bon vous semble, voire même les deux ensemble. Ce sera comme vous voudrez. Señora, faites votre choix. Et toujours le sourire aux lèvres. Vraiment, cet homme a des biceps qui dépassent tous mes concepts. Avec lui, pas de propos mièvres. Dans ma chambre, monsieur, il vous plaît remonter. Mais laquelle y dois-je porter de ces horloges? Thank you.
adieu, cellule, adieu, donjon. Adieu, cuirasse et morion, co-chevalier, sire, médire, sa dame. Adieu, table du violon, ton poète amour, je file l'âme. Adieu, cage pour ma chanson, cheminée aussi pour ma Sacrebleu, voilà le mari. Nous éviter le souci d'explication son charme. Regagnons au plus vite un asile opportun. Dépêchons. Il y a quelqu'un. Il naît pour l'horloger de joie égale à celle de trouver au logis nombreuse clientèle. Messieurs, soyez les bienvenus et veuillez m'excuser. Vous avez attendu. Mais comment donc, je vous en prie. Vos montres sont de purs bijoux. C'est de cette horloge surtout que vous me direz des nouvelles. Devant que vous veniez, je la considérerai précisément avec tant d'intérêt. La curiosité est toute naturelle. Qu'à l'intérieur j'ai voulu pénétrer pour examiner de plus près le fonctionnement merveilleux du pendule. Mais je ne trouve pas cela si ridicule. Et croyez-moi, vous en aurez pour votre argent, car vous prenez bien entendu l'horloge. Certes. Allons, ne soyez pas jaloux, j'ai l'appareil au même prix, elle est à vous, c'est une chance. Mais, sans doute, impossible de dire non, il faut endormir ses soupçons. Mais que ce trafiquant à programme me dégoûte. Eh bien, nous voilà tous d'accord. Je voudrais seulement vous demander encore de me tirer de cette boîte. Car, soit dit sans reproche, elle est un peu étroite. Veuillez seconder mes efforts, monsieur. Et là donc, je t'en souhaite. Pardieu, déménageur, vous venez à propos. Je l'avais oublié, où avais-je la tête? Ma femme, vous non plus, vous n'êtes pas de trop. Voilà. Sacrebleu, quelle poigne. De sa vigueur, chacun témoigne. Vous n'aurez pas encore d'horloge, cher ami. Régulier comme un chronomètre, monsieur passe avec ses mulets chaque matin sous ma fenêtre. Chaque matin, donc, s'il vous plaît, vous lui direz l'heure qu'il est. Thank you.
d'amour.